Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est toujours un plaisir d'être devant vous pour un nouveau numéro où nous allons parler encore de la République démocratique du Congo. Vous êtes vraiment nombreux à attendre cette vidéo. Vous l'aviez exprimé, vous m'aviez appelé. Beaucoup de vous, d'entre vous se posent la question, ce que je pense de ce nouveau gouvernement. J'ai eu toutes vos questions. En tout cas, il y a une multitude de questions ou une multitude d'appels que j'ai eu pour avoir mon point de vue. Vous qui êtes le mien, vous qui aviez crié à moi, vous qui vous êtes abonné parce que vous pensiez que nos réflexions étaient d'une certaine importance et que ça vous éclairait dans ce que vous pensiez de notre République démocratique du Congo. Ma voix n'est pas une voix, mon point de vue, je voulais dire, ce n'est pas un point de vue total ou, absolu ou quoi que ce soit. Ce sont nos réflexions parce que nous nous battons pour que nous puissions avoir un Congo meilleur où tout le monde pourrait vivre bien. Nous avons besoin à ce que ceux qui sont en refuge, ceux qui sont partis en exil puissent rentrer. Nous avons besoin d'avoir un pays qui y a finalement pris le sens du décollage. C'est ainsi que nous nous sommes engagés à apporter notre petite pierre de contribution pour faire réfléchir aux Congolais, pour amener une certaine réflexion à ceux qui sont au pouvoir, à ceux qui ont le pouvoir entre les mains, mais qui n'ont pas peut-être cette vision, qui ne savent pas exactement ce qu'ils peuvent faire. C'est comme cela que nous nous sommes dit, nous allons commencer à réfléchir avec vous pour que nous puissions éclairer notre population, pour que nous puissions éclairer peut-être ceux qui n'ont pas cette capacité de réfléchir afin d'implémenter des programmes. Enfin, de respecter la Constitution, comment est-ce que nous pouvons arriver à ce niveau-là de réflexion de la Constitution? C'est ça qui nous a motivés. Aujourd'hui, chers amis, nous allons parler de ce nouveau gouvernement qui, M. Félix Tshisekedi, a finalement sorti. Tout le monde, les commentaires vont d'un autre sens à l'autre, mais vous aviez voulu à ce que je puisse vous donner mon point de vue sur ce gouvernement-là que nous attendions depuis à peu près 5 mois. Donc, sous le mandat de notre président de la République, il ne lui reste que 4 ans et 6 mois. Et dans les 4 ans, nous savons que les 2 dernières années, la cinquième année pratiquement, c'est une année de campagne électorale où vous commencez à justifier ce que vous aviez fait pendant les 4 ans que vous êtes au pouvoir. Donc, le président de la République a perdu à peu près 6 mois avant qu'il ne puisse mettre ce gouvernement en place. Qu'est-ce qu'ils feront? Ce sont là les questions que nous allons nous poser pour vous répondre, pour que nous puissions effectivement concrétiser, faire voir ce que nous pensons que ça devrait être. Qu'est-ce que ce gouvernement-là vient faire? A-t-il le moyen de sa politique? Comment est-ce que nous pensons, quel est l'objectif que nous pensons que doit être ce gouvernement-là qui n'a à peu près que 3 ans pour faire des choses, pour amener le changement et que nous pouvons ramener l'espoir de ce peuple congolais. Merci beaucoup en tout cas d'être là, c'est cela qui va nous réunir cet après-midi pour ceux qui me suivent cet après-midi ou ceux qui me suivent demain ce vendredi. Donc merci en tout cas vous qui vous êtes abonnés. Si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous parce que nous avons besoin de vos abonnements, parce que nous voulions assez que notre émission puisse être visible, même si c'est une émission d'élite. Mais la façon dont vous commencez à vous abonner, ça montre que nous devons absolument prêcher maintenant dans la grande masse. C'est pour cela que vos abonnements sont très 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 bien accueillis ici. Alors, comme d'habitude, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Concernant toujours la RDC, il y a 5 journaux. Et si vous avez le temps, vous pouvez commencer à aller lire ces journaux-là parce que les développements, ils donnent des informations crédibles et que nous pensons que nous devrions aussi les supporter dans notre média. Donc, suivons les informations et puis nous allons revenir pour le développement de notre sujet.
Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-netcom.com. RDC, voici les points urgents du gouvernement Toulouka. Ça, c'est dans l'actualité. Et puis, le camp Katumbi réagit sur la sortie du gouvernement Toulouka. Enquête Rwanda classified accuse Kigali de répression systématique des dissidents et voix critiques. Goma, arrestation des détourneurs d'une aide destinée aux déplacés de guerre. On va sur actualité.cd. Imminente restructuration des cabinets de Félix Tshisekedi. FARDC, M23, nouveaux affrontements intenses près de Sake. Réorganisation stratégique contre l'agression rwandaise. Front diplomatique, militaire, juridique, économique et médiatique. Seul Muyaya survit. Congo profond, Kasumba laisse à la fondation Mako affiche des ambitions pour le développement de la cité de Kisenda. Dossier Martini Transit Logistique, les transporteurs en douane lèvent la grève à Kasumbalesa. Gouvernement peu connu du grand public, Doudou Fouamba Likunde est le nouveau ministre de Finances. 7 sur 7, médias, le défi à relever par Patrick Mouyaya pour son troisième mandat. Et puis une vingtaine de ministres reconduits au gouvernement Siminois. Enfin, le gouvernement Siminois contre 17 femmes contre 16 dans Sama 2. On termine par Radio Okapi. Gouvernement, l'UDPS, l'UDPS et ses mosaïques se taillent la part du lion. L'ALPC appelle à une coopération régionale pour bloquer la vente de minerais de sang. La MONUSCO apporte une aide matérielle aux femmes et enfants détenus à la prison de Beni. Merci, on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, d'abord je dois me libérer de ce devoir de saluer les amis qui sont à Kalemi, de saluer les amis qui sont à Kampala, les amis qui sont à Aru, les amis qui nous appellent de Bunia, les amis qui sont à Kinshasa aussi. Vraiment, en tout cas, je suis très fier. À Boutembo, je ne vous ai pas oublié. Je suis très fier lorsque j'apprends, je vois quelqu'un qui m'appelle à partir de Kasindi. Quelqu'un qui se donne et nous causons pendant à peu près une bonne trentaine de minutes. Et il m'explique qu'il est vraiment ravi que ce que je dis a du sens. En tout cas, ça me fait du bien. Et c'est par là que je vois que je ne prêche pas dans le désert. Et donc, vous qui êtes encore là pour la première fois, vous qui me suivez pour la première fois, mon nom c'est Germain Caïn, nous émettons à partir de Johannesburg. Vous qui êtes abonnés, vous aviez vu hier que je faisais un petit reportage sur le climat de ces élections-là qui ont eu lieu aujourd'hui, hier, pour les élections ici en Afrique du Sud. Donc, ne manquez pas l'émission de mercredi. Donc, je crois que ça sera demain ou après-demain. C'est pour cela que je vous dis, abonnez-vous et surtout, cliquez sur la cloche que vous voyez là-bas à côté. Cette cloche-là vous permettra à ce que vous soyez avisé lorsque nous mettons des émissions en ligne. Nous préparons une émission sur le mode de la politique ici en Afrique du Sud. Je vais vous donner comment ça se passe ici en Afrique du Sud. Hier, il y a eu une élection des partis politiques. Donc, on ira en profondeur pour vous expliquer comment ça se passe. C'est différent de chez nous. Voilà. Donc, nous revenons à notre sujet du jour, le gouvernement actuel que le Félix Tshisekedi a publié donc avant-hier. Beaucoup de gens sont, quand je lis, quand je vais sur les réseaux, j'ai vu que beaucoup de gens sont déçus. Déçus pourquoi? Parce qu'effectivement, ce n'est pas ça qu'ils attendaient. Bien sûr, il y a eu des figures qui sont parties. Il y a d'autres personnes qui disent que ces gens-là devraient en principe partir parce qu'il y avait clameur publique, des détournements, des mégestions et de toutes ces histoires-là que ces gens-là commettaient et que c'était pratiquement louable que le président de la République puisse ne pas les inclure dans cette équipe
du nouveau gouvernement. D'abord, une aberration que je vais faire remarquer ici. Nous remarquons que ce gouvernement-là a traîné. Pourquoi? Parce que c'est la présidence, c'est le président de la République qui en est le propriétaire. C'est qui broche la Constitution, c'est qui viole la Constitution. Et cela, nous n'avons aucun... Les pouvoirs sont confondus à la présidence de la République. Ça, c'est le premier point. Donc, le président est en charge. Les négociations, on fait tout ceci, on fait ceci. Pourquoi? Parce que nous ne respectons pas la Constitution. Ça, c'est le premier point. Et le pays ne pourra pas aller en avant si nous ne pouvons pas respecter cette Constitution. Je veux dire quoi ici? C'est-à-dire que la désignation de ministre, tout le monde attendait cette ordonnance présidentielle. Il n'y avait pas de négociation interparlementaire pour se désigner un gouvernement qui devrait être présenté à la présidence au président de la République pour nomination. Nous avons vu que tout autour du président de la République. Ça, c'est une violation de la Constitution, mes chers amis. Ça, c'est le premier point. C'est comme ça que les choses partent toujours. Nous avions toujours fait comme ça. C'est que nous n'avons jamais respecté nos textes. C'est ça le grand problème que le Congo a. Ça, c'est, je vais vous le faire remarquer. Donc, ça a pris du temps. Pourquoi? Parce que tout était concentré. Président de Moutoua Kossala, équipe ya gouvernement, qui va accompagner son programme. Ainsi, nous sortons directement de la Constitution. Donc, les pouvoirs ne sont plus équitablement établis en République démocratique du Congo. Nous avons un mastermind, donc c'est lui le chef d'orchestre, c'est lui le chef où tout doit se faire. Donc, toutes les institutions ne seront que des caisses de résonance de ce président-là. Et c'est cela l'aberration dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Le président de la République, Fatih Béton, c'est lui qui a nommé les gens dans ce cabinet-là. Ça, ce n'est qu'un cabinet, c'est une caisse de résonance du président de la République. Et donc, le président de la République n'est pas là pour exercer, mais il est là pour son pouvoir. Il doit le protéger, les gens doivent faire ce qu'il lui veut. Il est la seule personne qui est tout autour à faire tout. S'il y a un pont qui est cassé à Kasumbalé, ça c'est le président de la République. Parce que tout le monde est déjà autour du président de la République. C'est lui qui choisit. Donc, le peuple congolais n'a rien à dire. C'est comme ça que ça a pris du temps. Parce qu'il devrait y avoir des consabiles pour justement plaire à ce président de la République. Et voilà que d'autres personnes disent qu'il y a beaucoup d'erreurs qui ont été commises dans la désignation de ces personnes-là, qu'on appelle les oiseaux rares. Quelqu'un là a dit que le président de la République a trouvé des personnes rares dans ce gouvernement ici. Or, le précédent, on les appelait les warriors. Voilà le point que je voulais vous dire, où il y a déjà, nous sommes déjà mal partis, déjà, en laissant que le président de la République puisse être le centre de tout. Donc, nous n'avons qu'un seul pouvoir en République démocratique. C'est que le président de la République fait tout. C'est lui qui désigne les ministres. C'est lui qui désigne les personnes qui vont accompagner pour l'accomplissement de sa vision. Quelle est la vision du président de la République? Yende alobaka, yaza mokenge liyabana Congo, yaba Congolais, Fatih Béton. Voilà la faute, la première faute que moi je vous amène ici et vous pouvez le constater. Donc, nous avions pris beaucoup de temps parce que les gens devraient s'entendre. Et on se disait, il y a beaucoup de choses. Oh non, c'est tel monsieur qui bloque, ce sont les chefs de partis politiques qui bloquent la sortie du gouvernement. Ceci, on n'a jamais entendu parler de cette dame-là qui devraient se désigner les personnes qui devraient exécuter la mission qu'elle est censée de faire. Le premier ministre ici est imbibé, il n'a pas de place. Il n'a pas de place. Le premier ministre n'a pas de place, il n'a pas de voix. Il n'a aucun programme. Il est venu là, ezaneti mutu ya musala, Fatih.
Niba tu as case ya Félix Tshisekedi. Et là, nous sommes en dehors de la Constitution. Je ne vais pas me répéter ici. Ça, c'est le premier point dont je vous disais. Le second point, c'est quoi? Le second point, c'est que les erreurs, les tâtonnements, on ne sait pas quel est le programme que nous devons faire. On ne sait pas. Nous sommes là en train de faire passer le temps tout autour, l'insécurité grandissant, les problèmes. Il y a beaucoup trop de problèmes pour qu'on se fixe quelle sera la mission pour les 2 ans, pour les 3 ans qui restent. Parce que moi, je pense qu'il n'y a que 3 ans qu'ils vont travailler. Il n'y a que 3 ans. Et donc, quel est le problème qu'ils vont tacler? Je ne vois pas comment est-ce qu'ils perdent le temps en se choisissant les hommes au lieu de se focaliser sur les solutions. Quelles sont les solutions que nous devons faire? Biloko ni nango tokosala pour que toye babana nango bakosala biloko wana. Quelqu'un me disait, non, le problème des Congolais est connu. Non, tout le monde connaît tout. Nous connaissons tout qui est un problème. Mais qu'est-ce que nous faisons? Tokobande la wapi, tokosuke la wapi. En tout cas, ne manquez pas l'émission que je vais faire sur le programme de l'Afrique du Sud, là où nous sommes. Et je vais vous montrer certaines réalités sur les partis politiques ici. C'est ce qui nous manque, nous. Nous ne connaissons pas là où nous sommes en train de partir. Donc, nous nous levons. S'il y a la guerre à l'Est, nous commençons à chercher comment régler les problèmes à l'Est. Il n'y a pas de prévention. Nous ne prévenons pas. Gouverner, c'est prévoir. Qu'est-ce que nous allons faire? Alors, que va faire ce gouvernement ici, Bande Konangaï? On vit aussi de ce... Nous voyons qu'il y a un certain populisme. Tous à cause la batte, les hommes rares qui seront cooptés dans les gouvernements. C'est comme si nous ne connaissons pas ce que nous sommes en train de faire. Batouana, ce sont les ministres. Les titres là de ministres, les gouvernements. Mais qu'est-ce que ce gouvernement-là va faire? Ça, il va faire la vision du président de la République. Quelle est cette vision du président de la République? C'est l'union sacrée. Il faut que Batouaz à l'ensemble. Est-ce que sommes-nous ensemble? Donc, ces gens-là sont devenus comme des vedettes aujourd'hui. Ce sont des gens qui ont été... On se félicite d'être nommé par le président de la République. On se félicite. Il y a beaucoup trop de félicitations. Les gens, c'est comme si Batoumsousou va gagner, Batoumsousou va perdre. Et vous, les Congolais, qu'est-ce que vous aviez gagné en voyant que ces gens-là sont nommés? Est-ce que c'est par leur présence que les solutions seront palpables? Parce qu'ils sont là, parce que ce sont eux qui ont été nommés, que nous allons commencer à voir les dollars chuter? Nous avions vu l'expérience avec M. Kamere. Kamere dit que parce que je suis là, les dollars vont commencer à descendre. Non, monsieur! C'est quel travail que tu vas faire pour que ce dollar-là puisse tomber? Oui, nous avions vu Constant Mutamba nommé ministre de la Justice. Mais nous avons des histoires sur l'appareil judiciaire. Je ne sais pas s'il se rend compte que Fatih Beton avait dit que la justice était malade. A-t-il vraiment le remède pour que soigner cette justice-là? Il l'avait critiqué, donc les gens vont le tenir à l'œil. Il ne suffit pas tout simplement d'être triomphaliste. Ça ne vaut pas la peine d'être triomphaliste. Moi, c'est moi qui ai été nommé. Je vois du côté du Nord Kivu où on est en train de fustiger pourquoi Nyamwisi n'est pas dans le gouvernement. Les gens se posent la question, les gens se disent mais Nyamwisi devrait être là. Il était ministre de coopération régionale. Qu'est-ce que nous avons eu de ce ministère-là? Quelles sont les histoires? Pourquoi Fatih devrait le retenir là-bas? Y a-t-il eu des résultats? Ça, c'est ce que je suis en train de vous dire sur la forme même de ce gouvernement-là et l'expectation et tout ce que les gens attendaient
ces hommes-là. C'est comme si le monsieur là qui disait les oiseaux rares, les gens qui ont été désignés, sont-ils des extraterrestres par leur présence, par leur présence? Ce sont les solutions ou c'est par leur connaissance que les solutions vont être implémentées? Ça, ce sont des questions que nous devrons nous poser. Et moi, je me dis, il y a Ngui sous roche parce que nous ne savons pas. Même si Messi, vous le mettez dans l'union, Maniem à l'union, Messi ou Ronaldo vient jouer là-bas, ce n'est pas que cette Maniem à l'union va maintenant aller gagner Barcelone parce que dans cette équipe-là, il y a Messi. Non! Il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en place pour que les situations changent. Il y a des choses que nous devons faire pour que cette situation que nous, dans laquelle nous sommes puisse changer. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique. Donc, selon moi, les gens qui ont été nommés, ils sont là comme des vedettes, comme c'est des gens qui savent que non, moi c'est mon tour maintenant. C'est comme si on devrait maintenant choisir, c'est le tour à qui pour aller venir à la mangeoire. Le gouvernement des Warriors venait pour corriger celui d'Ilunkamba. Mais lorsqu'ils sont partis, ils ont été placés là-bas, on a commencé à regretter le gouvernement d'Ilunkamba. On se disait, mais ces gens-là peut-être étaient mieux que ce qui était ici aujourd'hui. On s'est dit, bon, comme ce sont des Warriors, on les appelait les Warriors, donc les guerriers, qui venait vraiment résoudre le problème. Maintenant, il n'en était pas question. On a vu les gens détourner sous le nœud de notre président de la République. Parce que c'est de lui dont nous parlons. Ça lui appartient. C'est à lui que nous avions demandé, nous avions donné le mandat. C'est à lui qui devrait tout. Voilà ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo. Est-ce que Félix Tshisekedi se penche-t-il au problème pour trouver des solutions? Le problème, je vais dire ici, c'est quoi? La solution pour la République démocratique du Congo, c'est le problème, c'est quoi? Le problème, c'est la gestion du pays. La gestion du pays, comment est-ce que nous pouvons gouverner ce pays? Est-ce que nous connaissons ce pays-là? Est-ce que nous l'aimons? Est-ce que nous connaissons où est-ce qu'il faut prendre? Les gens qui... on parle, il y a trop de cacophonie. C'est-à-dire que non, nous sommes très riches, et nous avons beaucoup de richesses, nous sommes un pays grand, nous sommes plus, puisque tout le monde, nous avons tout en République démocratique du Congo, mais nous n'avons pas tout. Nous avons la guerre à l'Est, nous sommes divisés de l'autre côté. Regardez les deux images que je suis en train de vous donner ici. La guerre est battante, l'insécurité, la pauvreté, la mégestion, la corruption. Tous les mots possibles sont en République démocratique du Congo. Mais où se trouve la clé? La clé, ce n'est pas celle qu'on avait trouvée pour les pêcheurs à Kinkole là-bas, en disant que j'ai trouvé la clé pour l'alimentation du peuple congolais. Est-ce que c'est le manger? Tantôt, on vous dit que nous, on ne mange pas. Tantôt, ce sont le travail. Il y a toute une cacophonie des choses que le président de la République doit absolument avoir une solution. A-t-il cette solution-là? Moi, je ne pense pas. Parce que lui-même ne sait pas exactement où commencer. Regardez, comment est-ce que ça peut prendre 6 mois avant de trouver un premier ministre, avant de trouver des oiseaux rares là qui vont l'aider? Pourquoi ça? C'est parce qu'effectivement, nous ne respectons pas le texte. Nous ne faisons pas ce que nous devons faire. C'est ça le problème en République démocratique du Congo. Ce que nous devrions faire, c'est quoi? C'est justement ce qui est écrit dans la constitution de la République démocratique du Congo. Cette constitution regorge les solutions. Pourquoi nous l'évitons? Pourquoi nous l'évitons? Parfois, on se dit non, c'est la constitution qui n'est pas bonne. Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous êtes en train d'appliquer ce qui se passe, ce qui est dit dans cette constitution-là? C'est comme quelqu'un avoir un couteau et il est en train de chercher à couper quelque chose avec le main. Vous avez le couteau. Moi, je pense que même si cette constitution, il y a des lacunes là-dedans, mais est-ce que nous la respectons? Et c'est par là d'où viennent tous les maux de la République démocratique du Congo. Les jours où nous apprendrons à appliquer à la lettre
ce qui est dans cette constitution. Je pense que c'est ce jour-là où nous commencerons à avoir un peu la solution à nos problèmes. Nous avons tellement beaucoup de problèmes de façon que nous ne savons pas où commencer. Commençons par où? La place à commencer, c'est de lire cette constitution-là. J'ai vu deux personnes se battre sur un plateau en disant, quelqu'un lui disait, l'un disait à l'autre que non, Félix Tshisekedi ne lit même pas la constitution. Il ne connaît pas ce qui se trouve dans notre constitution. Et l'autre dit que non, ça c'était une injure. Mais qu'est-ce que la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est ce que nous vivons tous les jours. Est-ce que nous appliquons les textes qui sont dans la Constitution pour gouverner notre pays? Parce que c'est ça justement notre Bible pour la gestion. C'est cela où nous devrions tirer ce qu'il faut faire. La Constitution a prévu la séparation du pouvoir. Nous devrions... ça. Le président devrait avoir des prérogatives. Est-ce que ce qu'il fait, c'est ce qui est inscrit dans la Constitution? Je ne pense pas. Et c'est par là où nous devrions commencer à réfléchir en nous disant, c'est par là le problème. Mais comment on va y arriver? Parce que nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons les gens qui ne s'entendent pas. Regardez d'abord la forme de ce gouvernement-là. Quand vous allez dans la Constitution, on vous dit que nous devons tenir compte lorsque le formateur du gouvernement, est-ce que c'est Madame Soumya? Est-ce que c'est elle qui devrait former ce gouvernement-là? Ça lui échappe. Ainsi donc, tout ce qu'elle fera, elle ne fera que la volonté de celui qui a fait ce gouvernement-là. Et donc, ce n'est pas ça l'esprit qui se trouve dans la Constitution. Et nous avions toujours fait ça depuis. Depuis 2006, c'est toujours comme ça. Et nous ne voulons pas comprendre que répéter à faire la même chose qui ne donne pas les résultats, nous ne nous échapperons pas à échouer. Tokobandaka ko kende ko répéta ke loko moko eza ko produire te. Ça c'est pratiquement une aberration. C'est nous qui sommes fautifs. Nous nous écartons carrément de la Constitution. C'est-à-dire quoi? Le premier ministre devrait être une force. Le premier ministre devrait venir de la majorité. La majorité devrait confectionner un programme d'action pour
le 5 ans qu'ils sont là, leur programme, et venir maintenant collaborer avec le président de la République pour le réajustement. Le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il n'est pas pour custodien de ces institutions-là. Il est garant de ce bon fonctionnement-là. Vous voyez comment nous écartons de cette constitution-là. Ce n'est pas lui qui doit former le gouvernement. Nous n'exécutons pas ici la vision d'un homme. Nous ne sommes pas allés là pour... Le gouvernement n'est pas là pour exécuter l'exécution d'un homme. Nous devons avoir un programme pour un pays. Nos projets de 5 ans, de 10 ans, quels sont les investissements dans lesquels nous sommes? Et donc les ministres qui vont venir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas recommencer à zéro. Nous avons un pays qui est là. Nous avons des engagements avec les entreprises. Nous avons des engagements. Nous avons des histoires qui vont aller jusqu'à 20 ans, 30 ans. Comment allons-nous les respecter? Mais nous avons en image comme si les 5 ans que Tshisekedi a fait, ça tombe à moule. Nous recommençons à zéro. Nous recommençons à zéro parce qu'il n'y a pas de programme que nous pouvons dire que non, ce programme-là va faire 10 ans. Et je dois être là pour que cet accomplissement de ce programme-là qui va se tenir. Quel est le programme qui a été entamé en 2020 et qui devrait s'achever par exemple en 2028? Il n'y en a pas. Et ce sont là ces grands programmes-là qui devront en principe créer de l'emploi. Mais ça, nous n'en avons pas. Et donc, ce gouvernement actuel, comme ils viennent recommencer à zéro. Ils seront installés, ils seront payés. C'est pour cela qu'ils sont là. Ils vont venir vivre les vies de vedettes. Prenons l'exemple de M. Kaboulo Moana Kaboulo, le ministre des Sports, qui a été plébiscité, le ministre. Il vient là. Il s'est dit ses performances d'avoir organisé des tournois, être allé en Coupe d'Afrique, c'est comme si nous n'avions jamais été là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'on peut se souvenir de ce monsieur-là au passage au ministère des Sports? De quoi est-ce qu'on peut se souvenir? Quelles sont les réformes qu'il est venu avec? Quels sont les programmes à long terme qu'il devrait commencer en disant « quelqu'un d'autre viendra achever ». Il n'y a absolument rien. Et donc, moi, je me vois que ce gouvernement ici, il vient recommencer. Regardez, on se moque finalement de qui? On se moque de qui? Avec des tiktokeuses comme ministre, des gens qui n'ont rien dans la tête, qui s'exhibent comme ça. Il y a des choses que moi, je me dis, nous sommes tombés très, très bas. Et c'est comme ça que je vous demande de réfléchir. Réfléchissons. Nous sommes tombés très bas. Est-ce que ces gens qui ont été nommés, ils ont tourné à Bango et à Kolia? Parce que quand ils vont manger, la personne qui est comme président de la République, au chef d'équipe na Bango, a copiné Bangote. Nous en avions vu les Kazadi qui sont parti, les Tony Mouaba qui ont mangé, tout ça. Il y a eu trop de cacophonie, de Babilo Kwebele et l'Obama qui? Qui est resté en prison? Qui a volé? Qui est resté là à épuiser sa peine? Personne. Et donc, ça, c'est ça se devient comme une habitude maintenant. Il y a d'autres personnes qui viennent, le peu d'argent que le Congo reçoivent, ils vont se les distribuer. C'est ça l'image. C'est ça l'image que nous avons de ce gouvernement-là. Et maintenant, on se pose la question finalement. C'est quoi la solution? Tozo kende wapi? Où allons-nous? Moi, je vous dis d'abord, pour t'énumérer les choses, il n'y a pas de solution quand vous faites la même erreur plusieurs fois et vous tombez. Faites autrement. Et la solution, moi je pense ici, c'est le respect total de la Constitution. C'est dire que ce n'est pas moi. Nous ne pouvons pas avoir un pouvoir
absolue, dictatoriale en République démocratique du Congo. Non, c'est impossible. Et là, nous nous disons, il est grand temps que Félix Tshisekedi comprenne que ce gouvernement-là ne fera absolument rien. Tant que nous continuons à être dans le même système. Le même système, c'est-à-dire quoi? Il y a l'impunité, il y a la cacophonie, la division. Les gens ne savent pas qui est le chef, c'est le premier ministre ou bien c'est le président de la République. La justice n'est pas séparée de l'exécution. Tout est convergé en un seul homme et cet homme-là pense qu'il peut demeurer là-bas. Il peut changer tout ce qu'il veut. La forme de l'État, tant qu'elle sera la même chose comme elle est aujourd'hui, le changement ne viendra pas. Nous devons commencer à repenser comment le Congo peut changer d'une autre manière. C'est ça notre concern aujourd'hui. C'est ça que nous pensons que tant que la situation restera la même chose, ce gouvernement, on pourra appeler d'autres personnes, même des docteurs, travailler dans ce même système ici, rien ne se fera. Nous allons encore condamner cette dame qu'elle n'a rien fait. Est-ce qu'on peut faire quelque chose dans ce système ici? Non. Ce qu'on peut faire, c'est de voler. Et ceux qui volent vont accepter que non, ce système ici puisse rester. Bato bazako bénéficier na eloko oyo nde bango mtu bazako beta maboko bakomi kosala neti eza combat. C'est comme des voleurs qui volent et qui pensent que c'est ça justement que il va bazo yiba mbongo ya Congo, bazo beta maboko, ils pensent que c'est comme ça que les autres. Pendant ce temps-là, nous sommes en train de régresser. Jamais dans le modèle où nous allons construire des autoroutes. Non, ça ne sera pas possible. Notre solution ici à Contact Pro Life que nous proposons, c'est que nous puissions nous mettre d'accord, s'arrêter en se disant, il y a la guerre à l'Est. Ils vont se justifier que non, dès qu'il y a la guerre à l'Est, nous sommes en train d'envoyer tout l'argent dans la guerre. Tozo somba mandoki. Et pour cela donc, bino bifobo zala nanzala. Bino bifobo souffrir parce que toza kolinga kosili sa makamboa est. C'est faux. C'est pas ça la solution. De l'autre côté, à l'est de la République démocratique du Congo, ils disent qu'ils veulent négocier avec vous. Mais pendant ce temps-là, vous ne réfléchissez pas de quelle manière est-ce que nous pouvons négocier pour absorber tout le monde afin que ça soit un rassemblement des Congolais à réfléchir sur une solution globale de la République démocratique du Congo. C'est là que nous avions conseillé au président de la République en disant « Félix Tshisekedi ndeko na ngai, tikana makamboza kosala, ndenge olobio ko changer constitution, te ba changer la constitution bongo te, engageons un débat national. » Appelez tout le monde en disant vous allez causer au niveau de chaque province, chaque territoire. Tokanisa, toluka solution mobimba. Solution on est banda ko solo la maka na à partir ya territoire. Bato ba simba mando ki botchana no mando ki na se bokende na ba territoire na bino nyoso bokende bokuta na bandeko na bandeko toza ba kongole biso nyoso mboko eza mboka na biso nyoso. Ce pays nous appartient tous. C'est cela la solution. Le dialogue que nous prenons ici, c'est le dialogue qui va amener à ce que nous puissions réfléchir et avoir un programme sur lequel même 5 ans, les gens qui viendront travailler pour 5 ans, trouveront un programme qui est sur place et comment est-ce que nous pouvons améliorer ce programme-là afin que nous puissions aller beaucoup, beaucoup plus vite dans la solution. Ce n'est pas que quand nous nommons un gouvernement, c'est le renouveau, ce sont les gens que nous venons installer, ce sont leur tour à manger. Non, ça ne vaut pas la peine. Les gens qui seront capables de reconstruire ce pays, c'est le peuple congolais qui travailleront ensemble. Et qui travailleront sur un système, sur un programme bien déterminé. C'est ce système-là qu'il faut commencer à fonder. Et comment le fonder? C'est par là que nous nous sommes dit, retournons le pouvoir à ceux qui, à leur,
disons, au pouvoir, à la base. C'est-à-dire qu'au peuple congolais, il faut que nous les rétrocédons le pouvoir de gérer eux-mêmes ce pays. Celui qui a fait la constitution l'a fait. Nous avions dit que nous devrions aller à la décentralisation. Mais nous nous sommes embrouillés pour rien. Décentralisons le pays, commençons à consolider notre base pour que nous puissions avoir une certaine fondation. Fondation ni nango toza nango awa. Yangwana eza kopesa mwa mobulu pona même kokonome gouvernement. Le premier ministre, il est finalement, il fait quoi finalement? Le premier ministre, s'il n'est pas capable de se dire, voici les hommes que moi je suis, je peux travailler avec, à quoi sert? Même si aujourd'hui vous changez la constitution, tant que vous n'arrivez pas encore à faire fonctionner le pays au niveau de la base, ça ne marchera pas. Et pour faire fonctionner le pays à la base, il faut quoi? Il faut mettre ces gens-là dans une conversation, dans un mouvement de renouveau du Congo. Les chefs coutumiers, les chefs de secteur, les chefs de groupement doivent savoir que leurs responsabilités reviennent maintenant. Quelqu'un qui va voler au niveau même du groupement sera puni par le groupement. Ce n'est pas le problème de Kinshasa quand il y a un voleur à Bukavu. Ce n'est pas un problème de Kinshasa lorsqu'il y a un tueur à Mobayimbongo. Nous devons rétrocéder le pouvoir. C'est pour cela que je demande souvent à ceux qui sont, à vous mes amis, de partager cette émission, de partager nos vidéos. Laissez un like si vous devez le faire. Parce que cela va augmenter la visibilité de nos émissions. Pour revenir à la solution, nous disons que ce gouvernement-là qui est là, même si nous mettons les docteurs, même si nous mettons dans ce système actuel, ils ne feront absolument rien. Ne venez pas me dire que non, yo sala nini yango na mboka na bino. Qu'est-ce que je devais faire? Qu'est-ce qu'on a demandé au ministre Jean-Pierre Bemba de faire quand il était ministre de Défense? A-t-il terminé la guerre? C'était un warrior. A-t-il terminé la guerre à l'Est? Qu'est-ce que Mouindo Zangi a fait? Qu'est-ce que Julien Paluku a fait? Qu'est-ce que Moussa Nyamwisi a fait? Absolument rien. Le système est corrompu. Ça ne marchera pas avec ce système, même si nous amenons des jeunes de 25 à 30 ans. Dans ce même système ici, ça ne marchera pas. Nous devons construire un nouveau système de gestion de notre République. Et pour la construire, c'est comme ça que je vous disais, il faut aller à la base. Il faut reconstruire le pays, il faut refaire fonctionner le pays au niveau des secteurs. Équiper les secteurs, équiper les territoires, équiper les groupements pour que nous puissions avoir un pays qui a des fondations solides. Et cette cohésion-là n'arrivera que lorsque vous mettrez ces gens-là ensemble en causant, en disant « Nous enterrons la hache de guerre, nous terminons les guerres, nous recommençons un pays où tout le monde va s'entendre. » Et toutes ces personnes-là, ils sont dans les tribus. C'est dans les tribus que nous nous disons ici, les territoires peuvent se mettre ensemble. On met 300 personnes venant de chaque tribu parce que les gens se connaissent là-bas dans les territoires. Ils peuvent former une élite. Et cette élite-là pourra maintenant s'asseoir pour réfléchir sur un nouveau Congo. Et c'est par là où nous devons réfléchir sur le problème de la constitution. Le problème de la constitution, ce n'est pas les juristes. C'est un problème de social d'abord. Les juristes peuvent vous amener un texte, mais si ce texte-là ne reflète pas, n'est pas accepté par les gens, ça sera votre constitution. La population doit avoir des aspirations dans ce texte-là. Parce que ce texte-là viendra passer au référendum. Et donc, quelle sera la mission de ce gouvernement ici? On ne connaît pas, il n'y a que le président de la République qui sait. La mission de ce gouvernement, la mission du gouvernement passé, elle était quoi? On ne savait pas. Quels sont les résultats de ces warriors-là? Personne ne peut vous dire qu'ils ont pris le pays à tel endroit, ils l'ont amené à tel endroit. Non. Sur quelle piste nous sommes? Sur quelle piste nous sommes finalement? Il n'y en a pas. On n'a aucune piste sur laquelle nous sommes en train de faire rouler notre pays. Il n'y en a pas.
Et donc, les gens qui vont venir, ils vont répéter ce que les autres ont fait et le résultat sera le même. Les gens vont continuer à voler, les gens vont continuer à détourner, la guerre sera toujours longue en République démocratique du Congo parce que nous n'avons pas la solution à terminer cette guerre-là. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire sur cette histoire ici de ce nouveau gouvernement. En tout cas, il n'y a rien à espérer. Et je pense que ça, c'est le mot de la fin que moi, je peux vous dire ici. Il n'y a rien à espérer dans ce gouvernement. On se retrouve donc prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant. Et n'oubliez pas de clocher sur la cloche de notification pour que vous soyez notifié lorsque nous mettons de nouvelles vidéos. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.